この一つのボールで世界を変えよう。皆さん寄付してください。お願いします。Ein Ball kann das Welt ändern. Du kannst auch. Bitte spenden. Una parola può cambiare il mondo. Falla anche tu. A ball can change the world. So can you. Make a donation today. Allez, bienvenue pour ce match qui oppose la Croatie à la Finlande, la 9e édition de la Coupe du Monde des Sans-Abris ici à Paris. Je suis Vincent Fabre, je vous assure les commentaires en français, bienvenue. Ici à Paris, sous ce beau soleil, avec de très belles équipes, et une faute ici. Les joueurs croates, la Finlande qui a bénéficié d'un coup franc. Mais tout de suite dans le rythme, voilà. Le coup franc est frappé. La défense croate va essayer de se dégager. C'est but. But du numéro 7. Finlandais. Aki. Alors, on est reparti tout de suite. Là, la Finlande qui mène déjà 1-0. Et la frappe. Oh, la frappe enchaînée là. Du numéro 10, Mati, qui passe tout près. La belle reprise de volée là, qui finit sur la barre. Les Croates là, qui sont à l'attaque maintenant. La frappe, non, la tentative, le numéro 2. La frappe, ouh. La frappe du numéro 2, Tomic. C'est repoussé en corner par le gardien finlandais. Voilà, on rejoue derrière pour les Croates. Encore à l'attaque, on va essayer. Ouh, la frappe. Et c'est une faute. Et le joueur croate qui est repris. C'est un petit peu énervé là. Parce qu'il a commis une faute. Et il avait été repris par l'arbitre. Voilà, allez. Tout ça se joue dans un bon esprit, il n'y a pas de souci. Le contre croate, non. C'était limite, mais le gardien était bien dans sa zone pour se saisir de la balle. De nouveau, voilà, la Finlande qui essaie de jouer vite. Porter le danger devant. La frappe. Oh, ça rebondit. Ça aurait pu faire un contre son camp, mais non. C'est contrôlé par le gardien croate qui peut relancer. Voilà, on met la balle à l'opposé. Attention, la passe en retrait, pas à s'appuyer. Non, c'est bon. La Croatie qui repart à l'attaque de nouveau. La Croatie qui est menée 1-0. La frappe de loin. Bien gênée par la défense. Allez, la Croatie qui repart. C'est dangereux. Grosse pression de l'équipe de la Croatie. Et voilà, Amerovic qui marque. Et tout de suite, la Finlande qui se projette à l'attaque pour essayer de reprendre l'avantage. Un partout entre la Croatie et la Finlande. Un partout entre la Croatie et la Finlande. Les Croates qui sont à l'attaque, qui combinent. Pour essayer de trouver une position de frappe, ça ne passe pas. Frappe, oh, la barre. La barre de nouveau. Omerovic qui a tenté de marquer son deuxième but de la journée. La Finlande qui joue maintenant en attaque. On rappelle les règles. Trois joueurs en attaque, mais l'équipe qui défend ne peut avoir que deux joueurs dans son camp. Toujours laisser un joueur dans le camp adverse. Et la relance, la finlandaise qui n'est pas très bonne. Les Croates ont encore la balle. Non, c'est bon, le gardien finlandais qui contrôle. Qui joue tout de suite en compte vers son joueur. Oh, le numéro 3. Le numéro 3. Finlandais, Aki. Et on rejoue tout de suite pour les Croates. Et frappe! Magnifique but. Les Croates. Damir Balaban. Et la Croatie qui prend l'avantage 2-1. La Finlande qui essaie de repartir là de l'avant, mais ça ne fonctionne pas.